Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, on continue notre découverte des nouveautés d'iOS 15 avec aujourd'hui HomeKit. Alors il n'y a pas énormément de nouveautés sur HomeKit mais il y en a une qui est plutôt sympa, notamment la possibilité de contrôler des accessoires de façon différée. Pour le test, je vais utiliser un ruban de la marque Yves, donc compatible HomeKit. Alors j'avais prévu de faire une vidéo sur les accessoires HomeKit avec justement ce ruban, euh, je ne l'ai pas faite, euh, donc du coup je vais mixer les deux, on va parler un petit peu du ruban un petit peu plus tard, mais le but c'est vraiment de parler d'HomeKit sur iOS 15. A propos des nouveautés HomeKit et iOS 15, c'est vrai qu'on a des pures nouveautés euh, liées à HomeKit, et puis des nouveautés qui gravitent un petit peu autour de, de HomeKit avec Siri notamment. Euh, on a la possibilité par exemple d'ajouter des serrures directement à Wallet et de et gérer à partir de là, on a la possibilité. Alors là, c'est plus iCloud Plus, euh, la possibilité d'avoir plus de caméras, un nombre illimité de caméras. Alors vous le savez, hein, suivant le forfait que vous avez, vous allez être limité entre une ou cinq caméras actuellement. Et là, on va pouvoir donc avoir un nombre illimité de caméras. Alors on reviendra sur kit Secure, mais on va commencer par le test de contrôle différent. Éteint Yves Ruban dans une minute. Donc si vous faites ça avec iOS 14, ça ne fonctionnera pas. J'ai réglé les rubans de façon à ce que ça s'éteigne à 10h16 aujourd'hui. Donc en gros l'extinction n'est pas dans une minute mais sur la minute suivante et ce qui est vraiment bien c'est qu'on va pouvoir lui dire éteint à telle heure ça aussi ça fonctionne donc on va attendre jusqu'à la minute suivante. Alors perso c'est une nouveauté que j'adore puisque ça m'est déjà arrivé de laisser les lumières en me disant je vais les éteindre plus tard et finalement bah, j'oublie et je reviens une heure après c'est toujours allumé et voilà donc les lumières sont éteintes et donc il est bien 16 tout fonctionne parfaitement. Allez, on va faire l'inverse. On va lui demander d'allumer les lumières. Allume Yves Ruban dans une minute. Donc même principe, il va nous répondre et donc ça va s'allumer à la minute suivante. J'ai réglé Yves Ruban de façon à ce que ça s'allume à 10h17 aujourd'hui. Alors ici, j'ai fait le test avec des lumières. Évidemment, ça fonctionne avec d'autres accessoires, notamment des prises connectées, ici de la même marque. Alors on va accélérer un petit peu et j'ai testé quand même d'allumer, par exemple, en une couleur particulière. Au bout d'une minute, ça ne fonctionne pas. On peut simplement allumer ou éteindre. C'est déjà pas mal. Un petit mot maintenant concernant ce ruban de la marque Yves. Alors il coûte quand même 70 euros. L'avantage c'est qu'il est, qu est HomeKit, il a l'éclairage adaptatif, donc ça c'est pas mal, et surtout il a 1800 lumens et honnêtement, c'est le ruban le plus lumineux que j'ai pu tester. Alors d'habitude, je vous dis c'est souvent pour faire une petite lumière d'ambiance. Là on commence à pouvoir éclairer pas mal de trucs. À propos de l'installation, aucune difficulté, comme d'habitude, on lance l'application maison, on ajoute un accessoire, on scanne le code HomeKit et ça y est, c'est installé, il n'y a vraiment aucune difficulté difficulté ça prend que quelques minutes euh, et il a que quelques étapes à faire autre caractéristique technique donc c'est un ruban de 2 mètres on va pouvoir le découper donc s'il est trop grand on va pouvoir le raccourcir par tranche de 30 cm on va pouvoir s'il est trop petit lui adjoindre donc quelques rubans supplémentaires jusqu'à 10 mètres après, c'est exactement le même fonctionnement que n'importe quel ruban connecté au kit. On va pouvoir baisser la luminosité, changer la couleur. Et justement, à propos de couleurs, euh, je les trouve vraiment très réalistes. Je trouve qu'ils ont fait un, un vrai effort par rapport à d'autres marques qui coûtent 2-3 euh, fois moins cher. Euh, on a notamment des beaux rouges, je trouve. Voilà, euh, voilà à quoi ressemblent les rouges. Je trouve que c'est pas mal par rapport à d'autres rubans. Euh, souvent, les rouges sont pas aussi étincelants. On revient sur les nouveautés d'iOS 15 et HomeKit, et je vous parlais tout à l'heure des caméras HomeKit Secure, donc si vous avez un forfait payant à iCloud, ça passera en iCloud+, et euh, du coup, vous allez avoir un nombre illimité de caméras, et ça, franchement, c'est pas mal, vu le prix euh, de, de certaines offres de, de, de concurrents, d'avoir le stockage illimité, en plus, vous le savez, hein, le stockage est, est indépendant, en fait, du stockage iCloud, vous allez donc mettre un maximum de caméras, pour le coup, là, c'est pas très cher, alors... Donc ça, c'est une des nouveautés dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'autre nouveauté, c'est qu'on va avoir la reconnaissance des paquets. Alors actuellement dans la version française ça ne fonctionne toujours pas mais en plus des véhicules, en plus des animaux, on va pouvoir maintenant savoir si on a reçu un paquet, un colis et ça c'est cool. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le contrôle d'accessoires en différé avec HomeKit et iOS 15. Personnellement j'aime beaucoup cette fonction. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous allez l'utiliser également. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres nouveautés iOS 15.